Imaginez que vous deviez créer en une seule formule la liste de toutes les dates de paie d'une année, donc par exemple de l'année en cours, avec une règle qui soit par exemple, là c'est celle de ce challenge-là, qui soit normalement les gens sont payés le 25 du mois, sauf si le 25 est un jour non ouvré ou non ouvré bancaire, donc pas le lundi, donc ni le samedi, ni le dimanche, ni le lundi. À ce moment-là, vous prenez le prochain mardi qui vient, donc le prochain jour ouvré et ouvré bancaire. Donc si vous avez cette règle-là dans votre entreprise, ou en tout cas dans ce challenge-là, vous allez devoir créer 12 dates qui correspondent soit au 25 de chaque mois, soit au prochain jour qui ne soit ni un samedi, ni un dimanche, ni un lundi, après le 25. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc on peut voir que bah, le 25 du mois de janvier 2023, c'était un mercredi, donc c'est bon, on prend directement ce jour-là. Par contre, le 25 du mois de février, bah, ça devait être un samedi, puisque le 26, c'est toujours pas ouvré, le 27, c'est toujours pas ouvré, et que du coup, on tombe sur le 28. Du coup, on va faire ça, et on va faire ça tranquillement, en quelques étapes, assez rapide. Vous allez voir, c'est une formule de 53 caractères, donc c'est pas forcément très long. Le premier truc qu'on va utiliser, c'est la fonction séquence. Je changerai peut-être un peu après, mais la fonction séquence. Ce que je vais chercher 12 mois, du coup, ce que je vais faire, c'est séquence 12, ça va me créer 12 lignes. Être les numéros des 12 mois. Alors là, c'est pas au bon format, je remettrai le format comme celui-ci après. Pour l'instant, c'est un format 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc un format standard pour chacune des 12 valeurs. Si j'ai ça, bah, ce que je vais vouloir faire, c'est lui dire je veux calculer le 25 du mois. 25, donc je pourrais utiliser une fonction date, mais il y a un truc plus simple, c'est de mettre 25, pardon, 25 slash et ça. Comme ça, il va faire 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, ce qui se rapproche d'une date. En gros, ce qui se rapproche quand même d'une date. À partir du moment où je lui dis bah, tout ça, par exemple, je le mets entre parenthèses et je lui fais plus 1, il va être capable de faire le calcul et il va rebasculer en date et il va me redonner des dates qui vont être, bah, du coup, là, on va le voir, c'est le 26 de chaque mois. Parce que pour l'instant, ça ne tient pas compte de est-ce que c'est des samedis, des dimanches, etc. Donc là, j'ai ça. Si je mets ça entre parenthèses et que je fais plus de 1, il prend la date d'après. Si je mets entre parenthèses et que je fais plus 0, bah, il prend cette date-là. Et moi, je vais avoir besoin d'aucune de ces feintes-là, parce que je vais utiliser dans tous les cas une fonction qui s'appelle série jour ouvré intelligent, dans laquelle je vais dire la date de départ, c'est bah, celle-ci, par exemple. Et le nombre de jours dans le futur dans lequel je veux aller, c'est un jour. Donc là, il va prendre le prochain jour ouvré. Donc là, je vais remettre le bon format, que vous voyez bien ce que ça donne. Donc en gros, là, avec ce que j'ai fait, donc je lui ai dit prends le 25 de chaque mois et prends le prochain jour ouvré normal. Ce qui fait que bah, il prend le 26 en général, sauf quand le 26 est un samedi ou un dimanche. C'est le cas ici et ici. Et à ce moment-là, il prend le 27, donc parce que c'est un lundi et que c'est bon. Ici, le 26, ça devait être un samedi, puisqu'il prend pas le jour d'après, le 27, mais le jour d'encore après, le 28. Et du coup, c'est pas mal. Mais que moi, ce que je voudrais, c'est que si qu'il ne fasse pas forcément plus 1 s'il n'y en a pas besoin. Donc, je vais lui dire déjà, pars du 24. Comme ça, tu fais 1. Tu fais forcément plus 1 pour arriver au jour d'après. Et si le jour d'après, il est férié, enfin, c'est un samedi ou un dimanche, bah, à ce moment-là, tu vas encore au jour d'après. Donc là, si je regarde, je pars du 24, donc le 24 de chaque mois, elle lui dit va un jour ouvré dans le futur. Donc ça donne normalement le 25 de chaque mois, sauf si le 25 tombe sur un samedi ou un dimanche. Donc là, on a bien le cas de le 25, ça reste un 25, et si le 25, c'était un samedi, donc le 26, c'est un dimanche, donc le 27, c'est le lundi. Donc ouais, on s'approche de la solution, mais il y a un petit défaut, c'est que nous, on considère que les lundis sont encore non ouvrés, en tout cas pour les banques. Du coup, on ne fait pas les virements ce jour-là. Donc, la date de paye, c'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un lundi. Donc, forcément, un jour de la semaine entre le mardi au plus tôt et le vendredi. Donc, si c'est ça, bah, c'est pas mal. Simplement, ce que je voudrais, et ça, j'aurais pu le faire avec une fonction série jour ouvré, ça fonctionnait pareil. Mais moi, ce que je voudrais, et c'est pour ça que j'ai dit série jour ouvré intelligent, c'est lui spécifier quels sont les jours que je ne considère pas comme des jours ouvrés. Donc, par défaut, si je fais rien, il considère que c'est comme si j'avais fait 1, donc c'est les samedis et dimanches. Je pourrais lui dire c'est 2. Du coup, bah, ça fonctionnerait un peu pour m'éviter les lundis, mais le problème, c'est que si c'est. Donc il n'y a rien qui tombe un lundi,
ça tombe un mardi. Mais le problème, c'est qu'il y a des jours de paye qui tombent le samedi. Et donc, c'est ni un ni deux que je peux prendre et j'ai pas tant d'options que ça. À part à dire que dans les jours fériés, tous les samedis sont fériés ou des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui est peu connu dans la fonction nombre jours ouvrés intelligents et série jours ouvrés intelligents, qui est on peut spécifier sous forme de texte les jours qui sont ouvrés ou non ouvrés en mettant une suite de 7, 1 et 7, 0 entre guillemets. Donc par exemple, si je dis que tous les jours sont ouvrés, j'ai juste à mettre 7, 0 entre guillemets, et là il prendra toujours le 25 quel qu'il soit. Si je mets par exemple 7, 1, on va tester 7.1. Bah, il va me renvoyer des erreurs parce que s'il n'y a aucun jour qui est ouvré dans la semaine, alors il ne peut pas y avoir le prochain jour ouvré, il n'existe pas. Mais si je mets par exemple que les seuls, je remplace l'un des 1, le deuxième par un 0, c'est-à-dire que je dis que les mardis sont ouvrés, il va toujours me trouver le mardi qui est maximum 7 jours après, ou maximum 6 jours après, je ne sais plus, après le 25 de chaque mois. Bah, du coup, là, on est très proche de la solution. Parce qu'il suffit de remplacer tous les jours de la semaine qui sont ouvrés, donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, donc les jours 2, 3, 4 et 5 de la semaine, par des 0. Et à ce moment-là, on a 54 caractères qui font qu'on tombe tout le temps sur les mêmes dates que celles qui sont là. Alors je vais mettre au format, au bon format. Là, vous voyez bien que c'est bon, mais je vais mettre en meilleur format, je vais aller le créer moi-même. Ok, je veux écrire JJ, JJ, MM. Ah. Là, j'ai un format que je préfère lire qui est plus simple. Et du coup, bah, quand je suis bon, j'ai exactement les bons résultats. Mais comment je peux gagner un caractère? Bah, c'est tout simple. Je vais dire que ici, je veux ligne de 1 à 12. C'est une feinte qu'on utilise là qui fonctionne très bien, mais qui est pas forcément qui sert juste à gagner un caractère pour avoir un caractère plus court. Donc, ligne 1 à 12. Et du coup, ils me retrouvent les mêmes résultats, mais en 53 caractères. Et voilà, du coup, vous avez trouvé comment obtenir la liste des 12 jours de paye de l'année 2023 de manière automatique avec la règle que vous voulez, sachant qu'on aurait pu faire une règle un peu plus complexe. À la prochaine pour un prochain challenge!